Vous savez, j'ai acheté les fameux muffins comme ça, super bons, et du coup, j'ai fait avec un œuf des lardons de bacon. Et à côté, je me suis fait une petite salade parce que ça faisait pas assez. Et avec, du coup, je pense que je vais manger un morceau de fromage et une compote. Mais franchement, je pense que ça va être trop trop bon. Je retrouve ma petite Mary. Coucou! Filme-toi. Je te filme! Aujourd'hui, je suis avec Lulu. On a une grosse journée avec plein d'événements. En premier, on va voir Gwen pour sa collection avec Gémeaux. Donc, on a vraiment trop hâte de voir ça. En plus, c'était un brunch. Alors, je crois qu'on va bien manger quand même. Et mais il a fait que de faire des crémasses. Et du coup, après, on va au musée des arts décoratifs pour l'expo Dior. Et vraiment, ça, on a trop hâte de voir. Apparemment, c'est juste une dinguerie. Ça va être trop beau. Et ensuite, on va manger. Et après, à 15h30, on a une masterclass encore avec Dior. Et ce soir, j'ai un événement assez spécial et je vous en parlerai tout à l'heure. T'as fini, Mary? Super, merci. Oui, à la collection Gwen. Regardez, il y a ces petites photos partout. Elle est trop jolie. Je vois avec Gwen. Ça fait trop plaisir. Quand est-ce qu'on mange? Bah, Meryl, voyons. Du coup, je pense que là, Meryl, elle va absolument tout prendre. Regardez, elle est déjà en train de se servir. Bon, bah bonne. Félicitations, Gwen. On est dans une salle, c'est juste magnifique. Il y a un plafond avec des fausses fleurs blanches, des lianes. Puis évidemment, il y a des robes partout, c'est trop beau. Amusante, donc voilà. C'est super beau. Après l'expo Dior, on est en masterclass avec Dior. Ça commence dans quelques minutes, mais on va tout être ici. Il y aura un make-up artiste qui sera là pour nous expliquer plein de choses. Et il y a plein de produits Dior partout, c'est juste sublime. Le détail était aussi important que l'essentiel. Et si on regarde un peu les défilés, effectivement, ce qui sigle les silhouettes dorénavant, c'est le maquillage qui devient un véritable accessoire de mode. Avec Meryl, on vient de tester le rouge Dior Liquid 614 Jungle Matte. Et il est juste trop beau. Je le porte sur mes lèvres et Meryl le porte aussi. Mais j'adore. Franchement, Meryl m'a dit, il me fait penser au Expose. Et je pense qu'il est un peu plus marron, un petit peu plus foncé. Mais c'est le même genre de teinte. Et la brosse, elle est juste trop bien. Attendez, faut que je vous la montre. Est-ce que tu peux le tirer? Vous voyez, du coup, la brosse, en fait, elle est comme ça. Et l'intérieur de la brosse, c'est ça qui est intéressant. La brosse ici, en fait, elle a une sorte de creux. Et du coup, ça attrape de la matière et c'est hyper facile à appliquer sur les lèvres. On a besoin de plonger le pinceau limite une seule fois dans le pot et c'est trop trop beau. All right, Paris. You know, we had to do something special. Alors voilà, je suis rentrée chez moi. La soirée Fenty Beauty, c'était vraiment génial. Et malheureusement, on n'avait pas le droit aux appareils photo, donc j'ai pas pu filmer grand chose. J'ai filmé juste hyper vite fait avec mon iPhone, mais voilà, je voulais pas faire que d'arrêter de filmer, je voulais profiter du moment avant tout parce que c'était quand même une belle soirée. On a eu l'occasion d'avoir Rihanna avec nous ce soir là donc c'était juste exceptionnel. On a vraiment eu
beaucoup de chance. Et voilà, j'en garde un souvenir très très cool. Malgré tout, même si c'était frustrant parce qu'on pouvait pas lui faire de câlins, on pouvait pas prendre de photos avec elle et tout, mais j'en garde un très bon souvenir. Et Rihanna est juste magnifique. Et voilà, j'ai juste le sourire aux lèvres rien qu'en vous en parlant comme ça. Je suis juste trop contente. Et du coup, c'est vrai que cette semaine, je pensais davantage vous parler de l'appartement et finalement non. J'ai pas eu le temps de vraiment vous en parler puisque au final, si vous voulez, en début de semaine, j'avais beaucoup de choses à faire. Mardi soir, Meryl est arrivée à la maison, Camille est venue aussi, on s'est fait une soirée entre filles, c'était vraiment trop bien. Ensuite, le mercredi, on a eu vide dressing toute la journée, on avait beaucoup de choses à étiqueter et à préparer, du coup le matin, on y est allé dès le matin. L'après-midi, juste merci à tous ceux qui sont venus, c'était génialissime. Le soir, on est reparti direct sur Paris. On a eu du coup, comme vous avez pu le voir, une journée complète avec l'expo Dior. Ensuite, on a eu la masterclass Dior. C'était vraiment trop trop bien. Puis ensuite, du coup, la soirée Fenty Beauty. Et du coup, le lendemain, je suis rentrée chez moi. Je n'avais plus de voix, donc c'est pour ça que j'ai pas filmé de suite parce que je pouvais plus parler du tout. Hier samedi, j'ai eu la chance de faire une deuxième date de fit dressing. Vous étiez nombreuses aussi à venir me voir et ça m'a fait juste trop plaisir. Ça me fait trop plaisir de faire des petits événements comme ça et de pouvoir discuter avec vous. C'était vraiment génial. Vous êtes toutes plus adorables les unes que les autres. Et franchement, je vous remercierai jamais assez d'être là tous les jours, que ce soit sur les réseaux ou en vrai quand je vous croise, ou des journées comme le fit dressing hier. C'était vraiment trop bien et je vous remercie pour ça, vous êtes vraiment géniaux. Du coup, même si dans ce vlog je vous parle pas de l'appartement, je voulais absolument vous le poster aujourd'hui et j'espère quand même qu'il vous plaira, que ça vous fera plaisir de voir un petit peu comment s'est déroulée ma semaine. Et voilà. Ah, et aussi, à l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo, il y aura un super concours Fenty Beauty sur mon compte et sur celui de Meryl. Donc, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Allez voir, je pense que ça va vous intéresser. Les produits sont top. Et je pense que je vous posterai bientôt une revue sur Fenty Beauty. Probablement la semaine prochaine si j'arrive à bien travailler d'ici là. Mais bon, en tout cas, il y aura d'autres vidéos de prévues la semaine prochaine. Donc, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao !